m'appelle Mama Tafsir Bari. Je suis représentant des élèves de l'entourage département de Bindiona. Premièrement, je vais remercier les organisateurs de cette école à Dianabolo, parce que grâce à cette école, depuis l'année passée, ça m'a permis beaucoup de choses pour protéger notre environnement. Concernant les sachets plastiques, on voit notre zone est totalement détruite car la Casamance fait partie des rares régions du Sénégal où on trouve des plantes, une diversité de plantes qui attirent le tourisme. C'est pour cela qu'on s'est mis aujourd'hui ici pour lutter contre les déchets plastiques. Pour éviter les déchets plastiques, on demande à toute personne, à tous les gens qui sont là, d'essayer de sensibiliser les gens à la maison et l'entourage, même dans les différents quartiers, de ramasser les sachets plastiques et les mettre dans un frigo, dans une poubelle et éviter d'acheter les sachets plastiques et aussi lancer dans la rue pour nettoyer notre environnement. Pour moi, pour éviter les sachets plastiques, quand vous voyez des sachets plastiques, c'est parce qu'il y a des vendeurs, il y a des gens qui vendent. Donc on demande de l'État, coûte au coûte, d'interdire les fabrications de sachets plastiques.